Bonjour à vous, cher auditoire, c'est Mister Mustache, en direct de The Binding of Isaac. Quand on s'était quitté, nous étions plutôt bien partis dans la quête de puissance de The Binding of Isaac. On était plutôt bien partis, donc je ne sais pas si ça va durer. Attention, calme-toi. On va utiliser une bombe pour aller chercher le cœur en acier. Voilà. Oh là là, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux quand même. Nous avons la porte du boss ici, donc on pourrait rusher les amis. Je sais pas. Très sincèrement, je sais pas. On va aller dans le magasin, ça c'est sûr. Ah putain, mais quel enculé! Il vend que dalle! Putain, j'ai utilisé une clé pour rien. Ça m'apprendra. Non, on va essayer de chercher le trésor, quoique. Ah, je sais pas. On va essayer. Ça ne marche pas, on... Ah putain, j'ai fait une erreur. Peut-être une erreur de talent aussi. Tout simplement. Meurs s'il te plaît, cher ami. Ainsi que tes proches voisins. Merci. Boum. Donne-moi tout ça. Là, on va mettre une bombe parce que j'ai l'impression que ça va être une salle secrète. Même pas, je me suis fait rouler dans le pâté. Rouler dans la farine, on dit. C'est ça, la véritable expression. Oh mon dieu, n'explosez pas, putain, bande de salopes. Ah, je le dis, j'en ai rien à foutre. Merci. Oh, une pièce d'argent. Ah, c'est dangereux, ça, par contre. Allez, toi, tu exploses. Merci, au revoir. Toi, tu exploses. Merci, au revoir. Et je ne peux pas aller dans l'arène. Ça aussi, faudrait qu'on m'explique pourquoi, des fois, je ne peux pas aller dans l'arène. La porte ne s'ouvre pas. Alors, je sais pas si c'est aléatoire, s'il y a une connerie dans le genre, ou s'il faut faire un truc spécial. Mais des fois, elle s'ouvre, des fois, elle ne s'ouvre pas. De toute façon, j'y serais pas allé. Toi, t'es mort. Ça t'apprendra. Être impie. Voilà. Oh, merci. Merci beaucoup. Ça, c'est dangereux. Bon, en fait, avec le parasite, c'est pas si dangereux que ça. Quoique, je suis en train de douter de l'effet du parasite. Merci. Hop. Qu'est-ce que nous avons, la télécommande? On m'a expliqué que la télécommande servait à un truc, je ne me rappelle plus. Très sincèrement, je ne me rappelle plus. On va essayer. D'accord, c'est de la grosse merde. C'est de la grosse chiasse. Ah, c'est abusé. Ok. Donc ça va. C'est des petits monstres très rigolos. Vous me faites rire. Vous me faites beaucoup rire. Eh ben, j'ai pas beaucoup de portée, en fait, d'attaque. Faudrait que je trouve une pilule pour m'augmenter tout ça. Parce que c'est assez ridicule, ma portée d'attaque. C'est assez ridicule. Bon. C'est parti. Boum. C'est parti. Contre Chubb. C'est parti. Lui, il est pas très compliqué. On va utiliser notre tête pourrie de Bob. Boum. Boum. Ah mon dieu, j'ai perdu de la vie quand même. Oh, ça fait du DPS en plus. Aïe, je suis terriblement con. Attention, ne perds pas de vie, cher ami. Tu es bien trop intelligent pour ça. Merci. Merci pour tout. Prochain étage. C'est parti. Nous sommes dans Cave Studio. Et je pense que nous sommes bien partis quand même, les amis. Moins bien que comme dans le dernier épisode, où on avait vraiment beaucoup d'espoir. Là, je suis un petit peu plus désespéré. Mais ça, il faut se mettre ici, sinon on ne survit pas, voilà. Ouais, c'est ce genre d'expérience que j'acquis en jouant un peu tout seul. Je commence à connaître un petit peu les patterns de certaines salles et comment les battre efficacement. Ce qui me permet ensuite de perdre, tout simplement, parce que je suis toujours mauvais. Hein. Il faut pas croire non plus que je vais devenir du jour au lendemain un homme nouveau. Alors, lui, il est compliqué, mais peut-être qu'avec... Je ne sais pas. Le but, c'est de ne pas attaquer les deux têtes en même temps. Et de faire ça progressivement, pour ne pas être... Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que je fais? Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Je fais de n'importe quoi. Alors là, je fais n'importe quoi, les amis. C'est gratuit. C'est pour vous. C'est pour vous en direct de la chaîne de Mister Moustache.
Je rame un peu quand même sur le jeu là, je m'en rends compte. C'est pas normal. Je crois que mon PC en ce moment est malade. Je crois que mon PC en ce moment est malade. Il a atteint d'un virus. d'une maladie grave en tout cas. Voilà. Bon, j'essaierai de régler ça dans le prochain épisode. Je passe plus de temps à régler les problèmes de lag, de RAM et de bug que de jouer finalement. Oh là là, c'est terrible. Ah, une pilule, ça je sais que c'est une pilule qui donne quelque chose. Je crois que c'est de la vitesse. Oui! Là nous allons extrêmement vite les amis. Alors ceux-là, je les déteste. Je les déteste et je déteste leur vie aussi. Oh mon dieu, mais comment tu veux esquiver ça? Comme ça. Tout simplement. Merci. Ok, ça c'est compliqué. Oh, ça c'est compliqué ce qu'il me demande de faire là. Attention, 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 non! Attention, oui, esquive parfaitement maîtrisée. Attention, on va... Oh mon dieu, je déteste parce que là, il est quand même assez peu maniable, hein, finalement. Allez, sœur, connard. Je te déteste. Aïe! Enfoiré. Voilà. Plus qu'un, normalement, là. Le... Oh mon dieu. Allez, chauffe Marcel. Ah mon dieu, mais je suis con. Ouais, mais là, il va trop vite. Il est carrément immaniable, en fait. Voilà. Un cœur, je ne peux pas le prendre. Je suis heureux. Je suis heureux. J'ai plus que 3 cœurs, les amis. Je crois que je vais aller dans le magasin. Avec un peu de chance. Putain, avec... Il y a des objets intéressants, là. Je sais pas c'est quoi le petit sachet marron. Mais si j'arrive à me dégoter une pièce, ça pourrait être intéressant. On va essayer de se trouver une pièce. Ok. On a pas mal de bombes, on peut se le permettre. Ouais. Oh. Et on va s'acheter soit le livre christianique, là, la Bible, en fait, soit le sac, mais j'ai plus envie de prendre le sac, en fait. Enfin, l'espèce de sachet. Je le prends. Lait de chocolat. Ah, oh, merde. Ça m'augmente juste mon... Oh, mon Dieu. Ah, maintenant, il faut que je reste appuyé. Oh, c'est carrément pas cool. C'est carrément pas cool. Bon, je vais charger, j'espère que ça... Ah ouais, mais d'accord. Par contre, c'est overpuissant, quoi. Quoique... Quoique, avec ma portée, c'est pas forcément utile. Bon, quoique. Quoique. Ah, une machine à sous, ça. Je l'ai détruit. Je m'en fous. Je m'en fous de la vie. Je m'en fous de la vie. Ah. Alors toi, ça va être très compliqué. Oh mon dieu, en plus il faut savoir viser avec ce genre d'arme. Ce que je suis incapable de faire. Mon dieu. Oh mon dieu, moi ça va quand même, c'est quand même très puissant. C'est quand même très puissant. Faut pas déconner. Regardez, ça tue même le monstre qui sort en même temps. Oh merde. Boum. Ah. Boum. Merci pour le cœur. On va aller chercher le coffre et on va y aller. On va prendre le boss. On va faire le boss. On va pas s'amuser. Le magnéto. Très cool. Ah oui, d'accord. Je peux quand même juste mettre une petite puissance. Ah d'accord. Ouais, il faut juste que je tapote. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Juste pour me choper une grosse tendinite. C'est la fin de l'épisode, chers amis du 21e siècle. Je vous dis à très bientôt. C'était Mr. Moustache en direct de Binding of Isaac. On se voit quand on se voit chez l'auditoire. À la prochaine. Portez-vous bien. Bye.